Et salut tout le monde, c'est Zanma. On se retrouve pour le let's play de Monster Hunter. Donc, on avait battu le Bichaten, qui était ma foi un monstre fort sympathique, avec un moveset assez particulier. Et là, on va repartir sur des choses un peu plus classiques. On va affronter la Rassian, qui va nous réserver plein de surprises, j'imagine. Alors je vais améliorer mon armure pour être un peu tranquille. Alors attendez. Chaque pièce d'armure a un niveau. Utilisez des sphères d'armure pour monter le niveau. Oui, bon, ça. Pas de problème. Donc, je peux pas crafter d'autres équipements en fait. Ah, parce que là il me demande d'améliorer, mais non, j'ai pas envie en fait. Ah, c'est moi en fait qui ai mis améliorer. Bichaten. Ah, ça a l'air tellement stylé son armure en plus. On va mettre ça. Ceci, bah oui, en plus ceci j'en ai besoin parce que j'ai pas amélioré beaucoup. Voilà. Bah super. Voilà, on est paré. Bon, j'améliore pas avec des sphères hein. Pour l'instant, ça sert à rien. On les garde pour plus tard. Il faut qu'on mange. Puis après, on va se faire la ration. Ça devrait bien se passer, même si j'aime pas trop, parce qu'encore une fois, la ration, c'est un monstre qui inflige le poison. Et j'aime pas ça. Mais ça va le faire. C'est quand même un monstre que je connais bien. C'est un des premiers monstres de Monster Hunter, d'ailleurs. C'est parti! Avec le Rathalos. Parce qu'on dit une Rassian et un Rathalos. Le Rathalos, c'est le mâle et la Rassian, c'est la femelle. Ah ouais, donc c'est la même zone mais de nuit quoi. Oh, c'est l'impression que c'est incroyable. Que ce monstre-là est incroyable mais... Après le design est sympa. Hein. Ah ouais, bah ça c'est cette attaque-là qui est chiante quoi. Qui nous empoisonne en permanence. De toute façon, on l'avait déjà fait dans la démo, ce monstre-là, pour ceux qui avaient regardé. Puis même de manière générale, c'est un monstre qui est très connu, quoi. Pas de grande surprise cette fois-ci. Par contre, il y a un autre monstre avec. Je me demande qui c'est. Peut-être un Diablos, tiens. Peut-être qu'il y a le Diablos qui traîne. Je vais aller voir les deux, comme ça on sera fixé. Ah, du miel. Hop, on prend les trucs au passage. Hop là. Je pense que j'aurais pas dû aller là, par contre. Attendez. On va remonter. Voilà. On va plutôt passer par là. Donc c'est quoi comme... Ça c'est la Rassian. Et moi, je voudrais voir ce qu'il y a là-bas. Parce qu'on n'a pas découvert le monstre qui est là-bas et ça m'intéresse fortement. Ah, bah oui! C'est notre pote le Diablos. Trop bien! Hein. Non, c'est pas un Diablos ça! Oh là là! Ouais, c'est pas possible. Ouais, il a exactement le même move qu'un Diablos. C'est pas un Diablos! Il a complètement changé de tête! Ah non, c'est pas un Diablos! Hein. Il se déplace de la même manière. Ah, je connais pas ce monstre. Ça peut être intéressant de. Je sais pas comment on appelle ça. Ah, peut-être qu'on peut voir sur la map d'ailleurs. Ah, Bassarios. Ah, bah il est sympa le Bassarios aussi. J'aime bien. Allez, viens là!
Bon, on attaque la racine. Donc c'est pas un Diablos, mais c'est ressemble. Ça apprendra à pas savoir reconnaître le monde de Monster Hunter. Oula, j'ai eu très chaud là. Attention, voilà, il passe son temps, ce monstre à spammer cette attaque. Hein, parce que c'est... Par contre, c'est un monstre, on va être capable de lui péter la queue si on se démerde bien. Il est en train de taper qui là? D'accord. Ah, on peut le contrôler, yes! Ça, c'est quand même sympa cet ajout. Hein. Après, ça rend les combats un peu simples, je trouve. Ah, ça fait aucun dégât! Ah ouais, par contre ça c'est très pratique parce qu'en plus je vais lui mettre du poison. Elle est insupportable cette attaque, alors là pouvoir la contrôler c'est jouissif. Allez, une dernière, tiens, prends ça. Voilà. On va faire une petite punition dans ta tronche. Après je suis en train d'oublier que le but c'est pas de tuer ce monstre là, c'est le monstre que j'ai, qu'il doit mourir normalement. Le pauvre poulet à coup qui a rien demandé alors que... Par contre il est en l'air là. Ah, non mais reviens. Mais pourquoi? Dans quel honneur? Bon tant pis. Hein. Ce sera pour une prochaine. Par contre le Bazarios, j'ai hâte de le faire, hein. Je pense qu'on va le faire juste après. J'ai vu que il y avait une quête pour lui aussi, donc ça va être super intéressant. J'ai vu beaucoup la gueule qu'il a quoi. Au début j'ai de dos je dis mais c'est un Diablos quoi, il ressemble vraiment à Diablos, mais non. Quand tu vois de face, tu te dis bah non, pas du tout. C'est typiquement le même genre de monstre qu'un Diablos en fait. C'est ça qui m'a perturbé. Ah, rien qui vont dire tu connais rien Monster Hunter, c'est évident que c'était un Bazarios. Je sais rien moi. Oula, il nous fait quoi là? Qu'est-ce que tu nous fais? Ah non, ça m'énerve quoi, petit console. Putain. Oh, j'ai eu chaud. J'ai eu très chaud. Non. Non. Ah, en plus, je le savais, j'ai fait un petit pas de côté exprès quoi. T'es goûté. Attendez. Pourquoi il fait que de gueuler ça, mon perso là? Attendez-moi. Ah. Mais c'est pas vrai. Je peux pas être tranquille 5 minutes, hein. On va pas lui faire ça. Tiens! Dans tes dents! Ah la vache! Il a pas aimé du tout! Tiens! Tiens! Ah, il a perdu sa queue en fait! Oui, j'avais peur que j'avais pas fait gaffe. C'est nickel ça! Ah, j'ai réussi à l'endormir. Et il est réveillé. J'avais dit que ce monstre, c'était super simple de lui péter la queue. Chaque fois que je vois ce monstre, grosso modo, je lui casse la queue. Peut-être l'un des monstres, c'est le plus simple, je pense. Ah non, par contre, ça l'empêche pas de me poisonner. Salaud. Salaud. Qu'est-ce qu'il fait? Et laisse-moi tranquille. Merde. Ah mais là faut que j'enlève le poison, ça va être chiant. Voilà. Bon, je vais en profiter pour prendre la queue, comme ça. Peut-être qu'il va pas être d'accord par contre. What? Bah ça s'est fait. Finalement ça s'est assez bien fait. Un petit coup de queue.
Hop là, bah, elle est repartie. Hein. Je peux pas lui en vouloir. Bon, ça se voit quand même que je connais un petit peu le monstre. Quoi. Ce sera pas la même chose sur le Blazarios. Franchement, j'ai tellement hâte de faire ce monstre. Il m'a tellement saucé là. C'est bien de voir des monstres un peu différents de ce world. De World et de Iceborne d'ailleurs. On peut passer dans ce trou là? Ah, intéressant. Attendez, je suis passé à côté d'une mine d'or. Ou pas. Ah bah de la macalite, c'est pas mal. Hein. C'est rare, mais c'est quand même un minerai sympathique. Pour un minerai, je prends. Ok, c'est parti. On est parti, on est parti. Ah, on va devoir descendre. Voilà, alors il est où notre ami? Il est là. Coucou. Bon, il va encore gueuler. Je l'avais dit. Fais-moi un petit coup de... Ouais, c'est bon. Nickel, parfait. Je ne demandais pas plus. Tu ne fais pas peur, sale bête. Il a un peu soufflé la pépère. Hein. Oh là là, le pauvre. Ah, il est fatigué. Hein. Il va abréger ses souffrances. Mais c'est pas vrai! Pourquoi? Pourquoi tu t'en vas? Oh! J'aime pas ça. Pourquoi on fait faux bon comme ça? Alors, peut-être continuer par là, hein. Tiens, des calbis. Oula, non, je tombe là, je remonte pas. Bon, bah, je vais repasser par là, puis c'est tout. Hein. J'adore le philoptère, effectivement, c'est quand même bien pour pouvoir bouger comme ça dans le décor. Mais je pense que, ouais, en combat, je m'en sers pas assez, je finirai par m'en servir plus tard. Là, le gameplay de base de la Volto, je pense que ça va, je me débrouille bien, mais sans le philoptère, ça va moins vite, je pense. Je pourrais aller beaucoup plus vite, quoi. Bah alors, on est tout triste? Ah, de toute façon, à chaque fois qu'on le voit, il gueule. Ah non, mais... Pas de chance. J'ai pas eu de chance. On a une bonne armure hein, parce que là. Attention, ouais. Petit coup de queue. Ah là là, il a pas fini de gueuler. Je pense que le fait qu'il ait plus de queue quand même, ça aide. Hein. Yeah. C'était pas mal, ça valait le coup d'essayer. Ouais, alors là. Petit pote. Ça, les gens qui font Monster Hunter depuis des dizaines d'années, on a trop marre de ce boss là en fait. C'est quand même un monstre, il y a dans tous les Monster Hunter quoi. Oh là là, la boucherie. Quoi? Ah non! Non! Ah bah non!
Ah ça c'est pas cool. J'arrive. Voilà, ah non, bah je pensais que j'y arriverais, mais pas du tout. Oh la vache! Ah bah alors là, mais je suis parti loin là. Oh non, c'est pas cool. On est parti tellement loin. Je sais même pas comment je vais remonter. Ah, quelle arnaque. Pouah. Par où on remonte là? Ah, je pense qu'on a pas le choix, faut passer par là. Hein. Quoi ça? D'accord. Et en allant par là. Ah, sympa. Ah ouais, de quoi faire des pièges, c'est bien ça. Moi, j'ai plus d'endurance. Ok, on peut remonter ici? Cool. Quoi? Oula, j'ai fait un bond vers l'arrière. Ah, parfait. Ah, parce que là, je commençais à désespérer. Là. Ok, encore de la macalite. Eh ben, c'est nickel. On va reprendre le chien, parce que... On a du chemin. Ah, il y a une carcasse. Bon, il était quasiment crevé là, la racienne. D'ailleurs, on le voit sur la map qu'elle est en train de mourir. Alors, je sais pas si le fait que ça clignote comme ça, c'est parce qu'elle a soif ou si c'est parce qu'elle est en train de crever. Mais. Ah, c'est. Ça, c'est dommage. Du coup, je suis obligé de sortir de. Depuis être sur ma monture. Je crois pas qu'on puisse utiliser le philoptère avec lui. Hein. Ouais, non, on peut pas. Bon. Allons-y. Je suis pas sûr. Ouais. C'est pas forcément le bon plan, en fait, de passer par là. Alors, on finira par les connaître, les maps. Hein. Allez, c'est parti. Parti. J'arrive. Ah ben. On a des petits problèmes, on dirait. Oh, j'ai eu chaud. J'ai eu tellement chaud. Mais... Je t'embête. Ah, c'est chiant. J'aime pas les monstres qui volent. C'est insupportable. Ah, au pire, ce sera la Rathalos. Hein, parce que là, le Rathalos. Rathalos, j'aime pas du tout. J'ai oublié d'affûter ma lame quoi. Du coup je fais plus de dégâts là. Peut-être réussir à l'achever quoi. Ah voilà. C'est la fin. Peut-être falloir faire des pièges hein, aussi. Hein. Ah là par contre on a mis plus de temps à le tuer. À la tuer la reversienne. Il faut dire qu'elle s'est pas mal barrée, et puis après elle vole aussi et tout, donc c'est quand même plus chiant à taper. Ah, de l'herbe. Voilà. Et ben j'ai hâte de faire le monstre suivant.
Il est vraiment bien ce jeu. Terminus. Je pense que vous avez deviné la quête qu'on va faire ensuite. Parce que là, il me reste 4 quêtes à refaire pour la suite. 4 quêtes. Hein. Ah, il y a le Basarios, voilà. Et ben voilà. C'est le prochain monstre, je vous annonce. Bon, allez. C'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois pour la suite du Let's Play. Salut!